chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu. Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu. Vierge Marie, puisque tu chantes avec nous, magnifique. La paix soit avec vous. Aujourd'hui, nous fêtons l'Assomption de la Vierge Marie, le 15 août. Et c'est sûrement le jour de la première communion, des baptêmes, des professions religieuses. Ça me rappelle moi-même ma première communion, le 15 août 1974. En ce jour, l'Église nous propose de lire le texte de la Visitation de Marie à Élisabeth. Là, le texte de la Visitation vient bien évidemment après l'Annonciation. L'ange qui est apparu et qui a donné une nouvelle incompréhensible sur le plan humain à Marie, qu'elle sera, elle aura un enfant sans connaître un homme. Mais Marie adhère à ce projet de Dieu. Elle croit, étant donné que l'ange lui a dit « Rien n'est impossible à Dieu, que Dieu peut réaliser cela dans sa vie. » Quelques temps après, donc, elle se met en marche pour aller rendre visite à sa cousine Élisabeth. Et Marie, dans la causerie avec sa cousine Élisabeth, lui partage sûrement ce qu'elle avait vécu. Et Élisabeth nous donne de comprendre le cœur du bonheur de Marie. Écoutons. Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. La joie, la grandeur de la Vierge Marie ne viennent pas du fait qu'elle ait mis au monde Jésus, mais plutôt qu'elle ait écouté la parole de Dieu, qu'elle ait accueilli la parole de Dieu, qu'elle a donné son assentiment total et sans réserve à la parole de Dieu, qu'elle ait adhéré au mystère de Dieu, qu'elle ait accueilli la promesse de Dieu. La foi, c'est donc quoi? La foi, c'est cette adhésion à la révélation divine qui, se manifestant en moi, me dit qu'il me trace un chemin de bonheur. Et je consens à ce que Dieu, ce qu'il a promis, il va le réaliser. C'est ça la foi. C'est une confiance théologale, qui me permet de savoir que Dieu est présent, Dieu agit et que rien ne lui est impossible. C'est ça la foi. Marie a la foi et c'est ça qui rend Marie heureuse. Ce n'est pas parce qu'elle est accouchée, c'est un acte secondaire. L'acte premier qui donne le bonheur à Marie, c'est cet assentiment. Est-ce que je crois que les promesses que Dieu a faites dans ma vie vont se réaliser? Est-ce que je crois que Dieu étant avec moi, il ne peut jamais m'abandonner? Est-ce que je crois que Dieu a une puissance qui me protège, qui me garde de tout mal? Alors, cette foi de Marie s'épanouit en action de grâce. Voilà pourquoi, après cette déclaration d'Élisabeth, Marie entre en action de grâce. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon sauveur. Il y a un lien étroit entre l'adhésion au plan de Dieu et la joie. Et Élisabeth qui participe à ça est aussi comblée de joie, même son enfant. Une joie qui n'est pas l'hilarité, mais une joie qui naît de la certitude de la présence de Dieu en nous, la confiance que nous avons en Dieu. Et c'est ça qui fait que Marie ne peut pas être prisonnière de la mort, parce qu'elle est vie, parce que Dieu qui se donne à nous transforme notre être et donne et nous donne vie. Nous célébrons donc aujourd'hui, et ça il faut le rappeler, la puissance de Dieu qui en Christ,
qui est ressuscité d'entre les morts, lui qui est le premier des ressuscités, comme nous le dit la deuxième lecture, donne aux hommes de participer à cette résurrection, chacun à son tour. C'est donc en réalité la petite Pâque de Marie. C'est le jour de sa résurrection, corps et âme. Parce qu'elle est elle a adhéré entièrement au plan de Dieu, alors la mort n'a pas son ancrage en elle. Et la puissance de l'Esprit Saint qui a ressuscité Jésus d'entre les morts a donc également agi en cette femme et a donc donné la vie à son corps mortel pour qu'elle ne connaisse pas les affres de la tombe, les affres de la putréfaction. Voilà pourquoi nous sommes heureux. La fête d'aujourd'hui, c'est une fête d'espérance, une fête de joie. Nous sommes heureux, notre mère a pu réaliser quelque chose. Donc moi aussi, je peux le réaliser. Chacun de nous, malgré nos faiblesses, nous tombons, nous nous relevons, mais nous savons que nous devons aller plus loin. Car notre mère l'a réalisé après notre frère aîné, parce que c'est le Christ qui est en tête. Marie l'a suit, et nous chacun à son tour, comme nous le disons. Bonne fête à toutes les dévotes de la Vierge Marie. Bonne fête à tous les Camerounais, parce que notre pays est consacré à la Vierge Marie. Mais que surtout, surtout, nous soyons de ceux qui ont cette foi, cette adhésion au plan de Dieu, au projet de Dieu, ceux qui accueillent l'amour de Dieu. Que Dieu nous donne cette grâce. Qu'il vous bénisse aujourd'hui, ce jour, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Par toi accueilli aujourd'hui le don de Dieu.